Bienvenue sur Rock Moderne pour un nouvel unboxing que je suis très heureux de partager avec vous. Et quand c'est pas du Mylène Farmer, c'est forcément, ben, surprise, vous allez voir de quoi il s'agit. Ah ben voilà, il s'ouvre assez facilement. Très facilement. Alors, il s'agit du 10e coffret des maxi 45 tours tirés des albums studio du groupe Depeche Mode. Donc, superbe coffret. Vous avez 8 vinyles à l'intérieur quand même. Alors, que j'ai pu avoir à moins de 140 euros. 136, c'est les prix les plus bas, mais en fait, les prix ont monté jusqu'à plus de 200 euros. Enfin, c'est quand même abusé vu qu'il s'agit que de maxi 45 tours, mais enfin, groupe mythique, Depeche Mode, et puis un hommage à Andrew Fletcher, tout comme Vince Clarke, qui est toujours vivant lui, mais qui était membre fondateur du groupe Depeche Mode, donc un des trois membres qui subsistait. Et je ne sais pas si Depeche Mode va survivre à ce décès d'Andrew Fletcher, notamment pour les tournées live, on verra bien. Alors, donc ce coffret, une édition limitée, contient 8 maxi 45 tours tirés de l'album Exciter de Depeche Mode qui était sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2001. Alors, il s'agit de cet album, Exciter, il s'agit du pressage original de chez Mute Records, commandé sur le site à l'époque. Et j'avais dû vous le présenter dans ma vidéo sur les albums et sur la discographie de Depeche Mode. Après, voilà, le disque est neuf. Je ne sais même pas si je l'ai passé une fois puisque je l'ai en CD. Donc, je pense que j'ai dû l'écouter au moins une fois. En vinyle, bien sûr. Un des meilleurs albums de Depeche Mode, Exciter, qui méritait donc cette box et donc tous les maxi tiré de cet album. Alors, il s'agit principalement des titres que je connais par cœur, bien sûr. Alors, Dream On, on a Free Love, I Feel Loved et Good Night Lovers. Donc, quatre singles dont je vais vous présenter les maxi originaux. Je vous les avais déjà présentés, mais on va faire la comparaison avec les maxi originaux. Alors, j'ai pas tous les maxi. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était très difficile de les avoir en 2001. Sur le site de Mute, ils n'avaient pas tout. Sur les autres sites non plus, c'était difficile. Alors qu'il faut compter environ deux éditions, deux séries de remix et différentes versions par titre. Donc deux sur Dream On, deux sur Free Love, deux sur I Feel Loved et deux sur Good Night Lovers. Et moi, je n'ai pas forcément en double à chaque fois les maxi, puis alors selon les pays, il y a des éditions différentes. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Voilà, donc on le voit ici d'ailleurs, Andrew Fletcher, ici, est décédé. Alors, ensuite, on va l'ouvrir avec mon petit scalpel. Je ne sais pas si ça va aller, parce que les blisters sont de plus en plus résistants. Je pense que, ouais. Avant, il se... Voilà. Il se déchirait plus facilement et je pense que c'était aussi un mal dans le transport. Donc, voilà. J'essaye de garder le blister, le cellophane, le plus possible pour protéger le... Vu leur prix, d'ailleurs, hein, qui ne cesse d'augmenter. Voilà, impeccable. Vous voyez, donc ça se présente comme ceci. Alors, on a donc Depeche Mode, Free Love de version, I Feel Love de version, même trois versions, et Dream On. On n'a pas le maxi, c'est étonnant ça, le maxi qui s'appelle donc Good Night Lovers, qui est pourtant sur l'album Exciter. Je vérifie à chaque fois. Mais j'en suis un peu. Good Night Lovers, oui, figure bien sur cet album. Je pense, enfin je vais voir, je le vois ici. Je le vois ici, Good Night Lovers, donc en fait, il doit y être, mais sur un autre nom. Bon, on a deux Dream On, deux I Feel Love
Et on a I Feel Love de Danny. Ouais, c'est curieux. Ah voilà, Good Night Lover, je ne le voyais pas. Il est ici, j'arrivais pas à lire. Voilà, non, non, c'est bien complet. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 titres. J'aime bien. Alors évidemment, toujours un coupon de téléchargement, ça c'est assez précieux. Et toujours un petit poster du coffret. Voilà. Dream On, new single out now. Voilà, la petite notice promotionnelle de l'époque, une petite affichette qui est fort sympathique. Alors, je vais vous les passer dans l'ordre qui sont sortis. Bon, on va vous les passer dans l'ordre où ils se présentent. Alors, tout d'abord, on a le fameux, justement, Good Night Lovers en premier, qui était sorti en premier. Et ben là, vous voyez, il y a un défaut de. Et pourtant, vous voyez, ça, c'est vraiment dans l'emballage, parce qu'on voit que le coffret n'a absolument rien. Donc, ouais, mais je vous dis, il y a un laisser-aller dans les. Je pense qu'ils prennent n'importe qui dans ces entrepôts, tout ça. Et voilà, ça donne ce genre de choses. Je ne vais pas le renvoyer parce que sinon, on ne va plus en finir. On ne va plus en finir de tous ces trucs. J'en ai ras-le-bol, moi, de passer mon temps à renvoyer les disques. Alors, par contre, celui que Mute m'avait envoyé, pratiquement pareil. Hein. Ouais, là, il n'y a vraiment pas de différence. Par contre, il y a un code barre, puisqu'il s'agissait d'un maxi individualisé. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Pour une fois, ils sont assez fidèles. Et par la teinte, par tout ça. Donc, on a Good Night Lovers, When the Body Speaks, Acoustic Versions, The Dead of the Night, Electro Nika en remix. Et Good Night Lovers, Isan Falling Leaf Mix. Voilà. Par contre, à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais? Moi, j'avais juste le macaron qui était comme ceci. Macaron très simple, le sigle de Depeche Mode. Alors, je vais les mettre à part pour ne pas les mélanger quand même, parce que ce serait un peu idiot. Il faut toujours que je tombe sur un exemplaire qui a quelque chose. Enfin, c'est incroyable. Avec une jolie poster. Voilà. Je pense que c'est possible que c'était à l'origine dans le promotionnel. Voilà. Dans le disque promotionnel, il s'agit donc d'un poster promotionnel pour annoncer la sortie du nouveau single le 11. Alors, 11.02. Alors, est-ce que c'est 11.02? Ça doit être le 2 novembre 2001, en fait. Parce que ils inversent les mois et les jours. Ouais, Dépêche Mode. Good Night Lovers. Voilà. Pochette très très dark. Le style Dépêche Mode. Avec, voilà, pareil. Donc, je vais quand même le sortir. Une pochette antistatique, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mute les vendait pas cher du tout. Hein. Donc, dans les trois livres. Voilà. Donc, vraiment fidèle à l'original. Si ce n'est ce défaut de pochette. Voilà. C'est peut-être aussi un défaut de fabrication. Hein. C'est pas forcé que ce soit tombé, mais ça peut être un défaut parce qu'on voit une pliure ici, une pliure de machine, on dirait. Ouais. On dirait que c'est un défaut de fabrication. C'est pas de manutention. Enfin, voilà. À garder finalement. Comme ça montre les imperfections du coffret. Alors, ensuite on passe Free Love. Alors, qu'est-ce que j'ai moi en Free Love? J'ai pas grand-chose, j'ai juste celui-ci. Voici le maxi original de Free Love de chez Mute avec le code barre, puisqu'il s'agit, je répète, d'un maxi individualisé. Or, je les avais mis dans une pochette antistatique parce que Mute à l'époque les mettait dans cette pochette-ci que j'ai conservée précieusement, vous vous rendez compte, depuis 20 ans. Et donc les disques sont là-dessus, ils sont neufs en fait, vraiment vous pouvez voir mes disques, je les ai écoutés peut-être une fois, peut-être plus à l'époque, parce que, mais je crois que je les avais gravés, je les avais enregistrés, je dois avoir les mini-CD aussi, donc voilà, c'était plutôt pour la collecte que j'avais ça. Donc ça c'est l'original, et on a évidemment celui du coffret, donc
On va comparer. Là, ils ont vraiment fait un facsimilé très fidèle. Très, 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 très fidèle. C'est incroyable. Là, vraiment, ils se sont appliqués. Vous voyez, ça, c'est l'original. Et voici celui du coffret avec ses remixes. Voilà. Donc, Free Love, la console remix, la Schlamm Petite Saiger Mix, Atom Stereo Nerd Remix, Bertrand Burgala Version, Digimux Remix. Voilà. Bon, je vais quand même le sortir, on va voir. Je pense qu'il s'agit de la seconde mouture. Parce qu'il y a toujours deux remixes par morceau. Donc deux maxi, pas de remix, deux séries de remix par morceau. Vous voyez, c'est exactement le même macaron. Je revérifie. Ouais, c'est le même macaron donc, que sur l'original. Voilà. Même macaron que sur l'original. Voilà. Voilà, et je pense qu'il était sorti en premier. D'ailleurs, ça se voit. Voilà, on a 12 bong 32, et là on a aussi 12 bong 32. Ouais, c'est curieux ça. LC. Ouais, ce sont les mêmes références. Alors ça, c'est pas mal. Ce sont les mêmes références sur les deux maxi différents, c'est la même référence. C'est assez curieux. Bon. Alors ça, je voulais montrer. On passe maintenant à l'intérieur. Ah oui, il y a quand même une sous-pochette. Et je pense que ça a été la première mouture. Donc, Flood Mix, Free Love, Josh Wick Vocal Interpretation, Free Love Deep Dish Freedom Remix et Free Love Powder Productions Remix. Voilà, donc, avec les trois membres du groupe, je pense. Et du 180 grammes. À l'époque, c'était peut-être pas aussi... C'était quand même bien. Non, c'était du 180 également. Voilà. Et là, on a l'impression que c'est presque du 200. C'est très, très lourd. Voilà. Donc, même référence. Là, je pense qu'il y a eu une petite erreur dans le... est-ce qu'il n'était pas sorti? Est-ce que ce maxi, à l'origine, n'était pas sorti? Parce que souvent, il sortait en vinyle qu'un maxi. Et le deuxième sortait plus ou moins en CD. Et c'était comme ça sur le précédent coffret, ou les précédents coffrets. Donc là, c'est fort possible, puisqu'on a la même référence. Donc je pense que ce n'était pas... Voilà. Ce n'était pas sorti en vinyle, je pense. Celui-ci doit être sorti pour la première fois, à vérifier. Voilà. Ensuite, I Feel Loved. Alors moi j'ai deux maxi, mais c'est un petit peu compliqué, j'en ai même trois, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une histoire de fou. Bon, alors I Feel Loved, bon, on va déjà commencer par vérifier les références. Donc L12, ça veut dire 12 inches, bong 31. Voilà, donc en fait c'était sorti donc avant, ils ont pas été mis dans l'ordre en fait. Et là, on a XL12 bong 31, donc c'est bien les bonnes références. Ces deux-là étaient effectivement sortis. Il s'agit des exemplaires du coffret. Vous voyez, ouais, voici les références. Donc, on a la première mouture, donc bong, 12 inches. Et quand vous avez X, donc ça veut dire c'est la deuxième mouture de remix, la deuxième édition, donc deuxième maxi. Donc, ces deux maxi étaient sortis à l'époque. Donc, en vinyle. Alors, on a le premier. Alors, je pense que celui-ci, oui, c'est le premier, puisque L, c'est pas LX, c'est L. Donc, le premier qui était sorti. I Feel Loved. Je vous remontre un petit peu tout ça. Voilà. Et on a le maxi. Donc, avec un macaron qui est bleu.
Bleu et Bordeaux, assez joli, assez sympathique. On va vérifier en 180 grammes. Alors, je remets tout ça dans les pochettes pour pas me mélanger les vinyles. Il n'y a pas d'autres pochettes, d'autres photos. Alors, voici l'original qui est ici. Voilà, l'original, pareil, hein, donc original, copie, je dirais. Et voici la face B, voilà. Et ici, donc, on a bien le L12 Bong 31 et la L12 Bong 31. Voilà, tout est parfait jusque-là. Mais, c'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique parce qu'il y a eu une version promotionnelle. Une version promotionnelle, voilà. Et je crois qu'il est sorti également en non promotionnel aux États-Unis, que j'avais eu sur les États-Unis avec I Feel Love, Danny Tanglia's Labor of Love Edit. Je pense que c'est un mix des deux différents maxi. Voilà. Parce que là, on avait donc le Humek Mix, Thomas Bierkman mix, Remix et Chambers Remix là-dessus. Et là, est-ce qu'on les retrouve? On trouve la Chambers Remix également. Et la Thomas Brinkman Remix, voilà. Donc, et ici, on a Extended Desert After Hours. Ouais. En fait, on a des remixes différentes qui ne sont pas ni sur celui-ci, ni sur celui-là, mais qui sont exclusivement sur le maxi américain promotionnel. Que j'avais acheté neuf à l'époque. Je sais pas comment il l'avait eu, le disqueur, parce qu'il était neuf. Voilà. Très belle pièce. Et je ne l'ai pas trouvé. Il n'y est pas. Sur Discogs, en promotionnel, il n'existe pas. Il y a deux vinyles à l'intérieur. Il existe en non promotionnel. J'ai réussi à le voir. Mais en promotionnel, il n'y est pas. Ça, je vous l'avais montré dans la vidéo en discographie. Il s'agit de 120 grammes. Voilà. Puisqu'il y a deux vinyles. Moi, je ne vais pas montrer le deuxième vite fait, si vous voulez. Mais ça, je les ai montrés. Je vous invite à voir ma vidéo discographique sur Depeche Mode, où tout ceci est présenté. Donc voilà, pour la petite histoire, le promotionnel ne figure pas sur Discogs, il ne figure que la version commerciale, donc de ce double maxi. Alors là, donc, des remixes différents, donc on va passer sur la deuxième série, le XL12 Bong 31. Voilà, donc, avec donc la Dirt Single Version, I Feel Love, Extended Instrumental Version, I Feel Love, Desert After Hours Dub Version, et la Single Version. Voilà. Donc, à part, normalement, ça aurait dû être celui-ci qui aurait dû sortir en premier. Avec, ils nous ont rajouté, donc c'est sous pochette, ça, c'est pas d'origine de toute façon, car il n'en avait très peu, avec macaron également, donc toujours de la même couleur pour compliquer. Et donc Mute m'avait envoyé dans ma commande à l'époque, parce que je faisais souvent des commandes chez Mute, à la sortie de ce single I Feel Love, il m'avait envoyé le promotionnel, alors là qui est difficile à trouver parce que si vous voyez qu'il est différent, il est différent de celui-ci, différent, mais en fait c'est un promotionnel où, voilà, c'est ça, où on trouve les fameuses versions d'Annie Tenaglia's Labor of Love Mix qui figurent sur la version américaine, donc qui est ici. Voilà, je vais essayer de pas mieux. Voilà, qui est ici. Donc sur cette version américaine, on a donc les mêmes versions que sur ce maxi promotionnel de I Feel Loved. Ce qui fait que, en fait, à l'origine, il y avait donc trois, pour l'Angleterre, hein, il y avait donc trois maxi, le 1, le 2 et le 3. Mais apparemment, le 3 ne serait pas sorti en commercial, c'était sorti juste en promotionnel et sur ces deux maxi américains. Voilà. Apparemment, c'est pas évident à s'y retrouver. C'est pas évident du tout.
mais ne figure pas, ces versions de Danny Tenglia's Mix Version ne figurent que sur ce promotionnel anglais et sur ce promotionnel et version commerciale commercialisée pour les États-Unis. Donc, qui est ici, je répète, et non, ne figure absolument pas là-dessus. Vous me direz s'il existe un troisième maxi, mais je pense pas. Je pense pas, donc ces versions-là ne figurent pas dans le coffret. Voilà. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y avait. Donc, je me souviens que c'était un promotionnel. Je ne sais pas si c'était marqué dessus. Oui, puisqu'il était directement mis dans la pochette. Je me souviens, je n'ai pas laissé de pochette intérieure. Et je suis sûr que c'était promotionnel. Made in Great Britain. Voilà. J'avais le souvenir hein, que c'était, de toute façon, c'était un cadeau qu'il m'avait fait. Donc c'était promotionnel apparemment. C'est pas marqué dessus, c'est pas marqué dessus. C'est ça qui est curieux, avec un joli macaron bleu. Est-ce que c'était un titre publicitaire? Ils m'ont envoyé une version qui a été commercialisée. Il faudra que je vérifie si ce troisième maxi, ces troisièmes remix ont été commercialisés en Angleterre. Alors, ça va ici, puisque... Ensuite, on a le fameux Dream On, dernier et quatrième single, Dream On. Alors, on va commencer par le L. On a un 12 Bong 30, donc apparemment ce serait celui-ci en premier, et un L 12 Bong, voilà. C'est vraiment très compliqué leur notation, faut s'y retrouver. Voilà, 12 L et on avait ici. Je revérifie tout pour vraiment y aller. Voilà, on a des L, on a des. Enfin bon, c'est pas évident du tout d'arriver à s'y retrouver. Alors donc, on va commencer par celui-ci. Qui est apparemment la première mouture avec le Bush Vaca Two Guy Mix, Dave Clark Remix et Bush Vaca Blunt Mix Version. Voilà. Avec une pochette antistatique, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. 180 grammes, beau macaron, DM toujours. Et je vais vous montrer donc la version anglaise, parce que je crois que j'ai la version américaine. Version anglaise ici comme ceci avec le même macaron, même disque, pareil, c'est exactement pareil, à part que le DM est crème ici et que sur l'original il est blanc. Vous voyez, il y a toujours quand même, on dit que le diable se cache dans les détails, mais c'est vrai. Je revérifie. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un DM crème celui-ci. Voilà. Original. Au point de vue grammage, non, au point de vue grammage, c'était du 140 et là on a affaire à du 100 180. Alors Dream On, on va comparer maintenant les pochettes Dream On. Donc l'original ici, le facsimilé là. Vous voyez, un petit peu plus brillant, mais aussi les années ont passé, 20 ans, plus de 20 ans. Et on a évidemment l'arrière, pareil, si ce n'est toujours le code barre qui prouve qu'il s'agit du maxi original. Et voici les versions, donc. Je vous montre un petit peu les crédits hein, pour l'original. Il doit y avoir des petits détails hein, que je n'ai pas pu... Mais enfin, c'est quand même pas mal fait. Hein. Pour la première fois, j'ai l'impression que de coffret en coffret, ils sont... de plus en plus bon, meilleur dirons-nous. Voilà, donc ici je vais vérifier quand même les autres versions puisque je vais vous montrer le maxi américain. Voilà, là il est assez sympathique. Ah, qui est toujours serré. Aïe 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 aïe, je ne l'ai pas ouvert. Ouais. Alors, ça va pas être évident. Oui, ben, c'est celui que j'avais commandé, je crois que c'est sur EIL en Angleterre. Donc j'avais sorti
Évidemment, c'était Sire Records qui devait éditer ceci de mémoire. Alors, je vais voir. Original version of Dream On and Easy Tiger. Son repris de l'album. Warner, Californie. Voilà, non, c'était Warner. Hein. New York. Oui, donc il s'agit bien de l'import américain. Alors, est-ce qu'il est encore scellé? Oui, il est encore scellé, celui-ci. Voilà, donc un port américain avec deux vinyles à l'intérieur. Ça doit coûter ça maintenant, parce que c'est quand même un maxi américain, un double maxi encore scellé. Et que j'ai en CD d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas dû le. Alors, on a dessus Bushwaka, Dave Clark Kid 606, Octagon et Easy Tiger. Alors, sur ce qu'on nous donne. On a Easy Tiger, full version. Là, il s'agissait de Bertrand Burgala Mix. Voilà. Donc, déjà une version Bertrand Burgala Mix, oui, qui est là, qui est sur celui-ci. Voilà. Et sur celui-ci, sur l'américain. On a donc ensuite donc Buvashka Taut Guy Vocal Mix. Bushwaka, Touch Guy Mix. Ah, non, il n'y a pas. Ensuite, Dave Clark Acoustic Mix. Oui, il est sur celui-ci. Je pointe l'américain. Dave Clark Club Mix. Ah, oh, je vous dis, c'était vraiment un parcours du. Oui. Il est. J'ai un Dave Clark Remix. Oui. 606 Mix. Qui n'y est pas. Ah si. Dream On Kid 606 Mix. C'est bon. Bushwaka Blunt Mix, là il y est. J'en suis sûr. Je viens de le voir. Oui. Octagon Man Mix. Je crois qu'il y est aussi. Bushwaka Taut Guy Dub. Cette fois-ci. Donc là, il n'y est pas, hein, celui-ci. Voilà. D'où l'intérêt. Voilà. Bushwaka Taut Guy Mix. Voilà, ça y est, mais le dub n'y est pas. Et ensuite, on a Easy Tiger, Bertrand Burga, Easy Tiger, Easy Tiger, voilà. Il y est aussi Bertrand Burga, etc. Donc en fait, ici, le Bushwaka Taut Guy Vocal Mix y est, effectivement, il est ici. Et ici donc sur ce maxi. Donc en fait il n'y a que le Bushwaka Taut Guy Dub Mix qui figure sur ce maxi américain. Et on a une reprise donc des versions des deux maxi anglais qui viennent d'être édités en coffret. Voilà, je vous montre bien tout ça pour les fans. Voilà. Et donc on n'aurait qu'une dub version en plus. Voilà, différente. Il y a toujours quelque chose sur l'Amérique, il y a toujours quelque chose en plus. De toute façon, c'est obligé, pour ça qu'ils le sortent souvent. Ben là, ils ont sorti deux maxi, mais des fois, ils sortent un maxi comme le précédent que je vous ai montré. Alors, ça me complique parce que ça me fait en fait trois maxi, trois voire quatre maxi par série de deux. Enfin, ça fait vraiment beaucoup. Voilà, donc. Je vous ai tout montré, donc on a ce coupon de téléchargement. Bon, je le garde aussi parce que j'ai peut-être pas toutes les versions en CD. Je ne sais pas du tout ce que j'avais. Maintenant, j'écoute plus trop les CD. Donc, alors je vous remontre ce sublime coffret qui est en train de prendre la tangente. Comme on dit. Voilà. Super coffret. 30 minutes quand même d'unboxing. Et j'avais finalement pas mal de maxi à l'époque, parce que c'est au début où j'avais Internet, je crois que je l'ai eu en 99, Internet, donc là 2001, 2001-2002, donc je commandais directement sur le site Minute, mais il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout. Même en suivant le site, tous les maxi n'étaient pas forcément, que je vous ai montré, n'étaient pas forcément en vente sur le site. Il y en a qui étaient disponibles qu'en CD. C'était très compliqué. Je les ai eus sur l'Amérique, j'en ai eu sur EIL aussi,
tokto.co.uk. Je vous avais montré ce site à l'occasion de la présentation du maxi Tokto, de Tok Tok, qui est un petit peu le pendant de Record City pour l'Angleterre, et sans droit de douane parce qu'il sous-déclare un peu comme Record City, donc vous ne payez jamais de droit de douane, sauf si vous faites une commande comme ça. Et ils ont des disques quand même qui sont dans un état neuf et à des prix quand même très 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 abordables, sauf pièces de collection. Mais voilà, c'était intéressant pour l'Angleterre, donc EIL.com, je répète. Et donc j'avais dû avoir le pressage américain, celui-ci, qui est encore scellé chez EIL.com. Et l'autre, je l'avais eu sur les États-Unis. Alors je sais pas comment, je pense que le disquaire avait dû le recevoir en promotionnel et me l'avait vendu, il était neuf. Hein. Voilà, et je vous dis, sur Discogs, on ne le trouve absolument pas, on le trouve qu'en version commerciale. Il n'y a pas tout sur Discogs, hein. Il ne faut pas croire que tout est sur Discogs. Des fois, on tape sur une référence et puis il ne sort pas le disque. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive. C'est plutôt bon signe aussi, parce que enfin, ça veut rien dire, parce que parfois, il peut revenir à des prix dérisoires aussi. Donc, puis enfin, c'est pas la cote qui nous intéresse, mais quand même, la rareté, quand même, c'est intéressant. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Donc 8 singles, alors ils mettent, ils disent reproduits, voilà, donc fidèlement reproduits des masters audio et de l'artwork original. Et une nouvelle compilation, c'est Companion 12 Inch of Dream On, I Feel Loved et Free Loved. Donc, ouais, je sais pas si I Feel Loved, Free Loved, donc apparemment les versions. Elle, voilà, que d'ailleurs je ne vous ai pas présenté. Oui, donc moi je vous ai présenté un maxi à chaque fois, hein, c'est ça. Un maxi là, un maxi là, un maxi ici, c'est bien ça. Je repointe un peu tout ça. Donc je vous ai présenté 4 maxis différents. Et eux, ils ont donc édité 4 maxis supplémentaires, donc en y incluant ces remixes différentes qui étaient disponibles en CD. En maxi CD, mais qui n'était pas donc disponible en vinyle, sauf en pressage américain, donc sur ces 2 pressages américains. Enfin, on va y arriver. C'était pas évident du tout à vous expliquer tout ça. Voilà, mais là vraiment, vous avez une vidéo fidèle. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Et si il vous manque certains éléments, si vous voulez que je vous réexplique des nuances, hein, j'ai pu faire des omissions ou des redondances, etc., que vous n'avez pas pu forcément comprendre, parce que quand on ne l'a pas vécu, c'est assez compliqué. Parce qu'à l'époque, Depeche Mode, en fait, sortait 2 flots de remix par album, et sortait 4 remix par album, donc ça faisait quand même 16, ça faisait quand même 8 maxi, et comme il y avait 3 ou 4 remix, 8 x 4, 32, ça faisait 30, une trentaine de versions par album, enfin, c'était un véritable monument. Voilà, donc écoutez, prochain unboxing, ce sera l'album suivant qui s'appelle, je pense, Angel. Je l'ai ici, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer. Déjà, ce sera Playing the Angel. Alors, on a l'édition originale et l'édition Repress. Hein. Vous voyez, une édition un petit peu plus jaunie, une édition moins jaunie. Là, il s'agit de l'édition originale que j'avais décelée pour vous faire plaisir quand même. Mais qui est neuf, voilà, acheté sur le site de Mute à l'époque, c'est ça qui était sympa. Malheureusement, pour les années 90, on n'avait pas il n'y avait pas ce site. Donc, Playing the Angel, il restera donc Playing the Angel, et ensuite, Song of the Universe, Delta Machine et Spirits, donc il reste encore 4 albums. Alors, vous avez dû lorgner sur Once, Twice, Melody, donc de Beach House. J'ai enfin reçu de chez Newbury la version limitée qu'on trouve nulle part pour quand même une 50aine d'euros. Et on le trouve déjà à plus de 100 euros. Là, ils en ont encore quelques-uns. C'était assez sympa. Ils faisaient une remise d'ailleurs à l'époque. Il y avait une publicité sur Newbury, une remise de 20%. J'ai pu bénéficier de cette remise. De temps en temps, ils le font. Faut visiter. Des fois, j'oublie de le visiter, ce site, régulièrement, mais il faut quand même y aller. Parce que quand tout est sold out partout, comme ceci, hein, vous ne le trouvez nulle part, vous n'avez pas le payer 100 ou 150 euros, hein, eh bien, chez eux, parfois, ils en ont encore. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Depeche Mode, à part donc le décès de ce membre.
Voilà, je pense j'ai oublié quelque chose, mais ça fait rien, ce sera pour une prochaine vidéo. La vidéo est d'ailleurs assez longue comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, et à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, laisser des pouces bleus, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a pas mal de vues, mais les pouces. Mais ça, c'est général, hein. Ça, c'est tous les youtubeurs courent après leur pouces, voilà, leur vues. Bon, après, ça donne une certaine cote. Moi, j'ai le numéro 6527, vous voyez ici, je ne vous l'avais peut-être pas dit. Voilà, je crois que c'est limité à 10 000 exemplaires, à peu près. 10 000 exemplaires pour l'Europe et 10 000 exemplaires. C'est Rhino, je crois, qui distribue Sony Music. Il me semble que ce n'est pas Rhino que c'est distribué aux États-Unis. Je crois qu'il y en a 10 000 aussi pour les États-Unis, en tout 20 000. Donc, ce n'est pas quelque chose de rare. Mais quoi qu'il y ait, pas mal de collectionneurs. Donc, voilà tous les maxis de Dépêche Mode. Voilà. Et c'est lourd. Hein. Voilà. Salut, à bientôt. Merci de m'avoir suivi.